Rencontre 10e journée du championnat Pro B qui oppose Juan Le Coteau à Corigné Fouillard. L'entrée des joueurs, on les applaudit s'il vous plaît. Merci. Merci beaucoup pour le pilote de pêche. L'herbe sur balle et l'équipe de Rouen. Va monter les étables. Allez, présence de l'équipe de Tourigné qui est ce soir parmi nous. Tout d'abord, il est iranien, il a 30 ans, il est numéro 36 français, 74 mondial, c'est un joueur qui est gaucher, il s'appelle Lechal Alamian. Deuxième joueur de la formation tour éphonienne, Vincent Picard, il a 20 ans, il est droitier, nationalité française, champion d'Europe junior en 2019 et demi-finaliste, simple junior, cette même année. Troisième joueur, il est numéro 69 français, il a 21 ans, c'est aussi un gaucher, nationalité française, Léo de Nord-Est. Le jeune homme a été médaillé de bronze en double mixte junior championnat d'Europe 2018. Quatrième joueur de l'équipe, Jules Roland, numéro 70 français, 21 ans, tout à fait en France, en jeu cadet et junior. Le coaching sera assuré ce soir par M. Sébastien Douaran. Pour l'équipe de Rouen, on peut les applaudir. Il est parmi les joueurs, il est numéro 64, il est indien, droitier, 28 ans, Ahmed Desai. Deuxième joueur de l'équipe, il est belge, il est numéro 42 français, il a 25 ans, c'est un gaucher, membre de l'équipe nationale belge, Martin Aleiro. Troisième joueur de la soirée, c'est le joker de la soirée, c'est le Juno de rookie d'équipe, Jérôme Boyau. Le coaching sera assuré ce soir par Yann Fenn. L'arbitrage de cette rencontre sera assuré par messieurs Romain et Renaud. Et on aura une pensée très particulière pour un petit jeune du club qui s'appelle Hugo. Hugo qui a des soucis de santé. Hugo, tu nous regardes, on pense grand à toi et reviens-nous au plus tôt. Tes camarades vont pouvoir continuer et surtout ramasser les balles. Messieurs, merci bien, bon match à vous et que le meilleur gagne.